Bon, écoute, c'est plus possible ton histoire de facteur. Il peut pas uniquement distribuer du courrier? Mais il livre du courrier, c'est Monsieur Tout le Monde, le gars. Tout le monde peut s'identifier à lui. Tu vois, c'est un peu piège en haute mer. Piège en haute mer, ouais, Steven Seagal. Oui, piège en haute mer. Bon, Steven Seagal, il est cuisinier, le mec. Bon bah, moi il est facteur. Bon, écoute, t'as déjà édité 8 livres? 13. 13, excuse-moi. Tu vas me faire un truc qui se vend. En ce moment, la cote, c'est le mélodrame. Je vais pas faire un mélodrame. Écoute, c'est ça ou rien. Je sais même pas ce que c'est un mélodrame, moi. Mélodrame, c'est une petite histoire sympathique, une grande histoire d'amour. Et à un moment donné, un drame qui vient tout couper, qui vient tout casser. Écoute, tu m'écris un petit mélo, et hop, les ventres partent. Et après, tu fais ton tome 9, 10, 12, là, de ton mec qui met des claques, là. Allez au boulot. Non, c'est bon, on va faire un truc, qu'est-ce qu'il m'a dit Chouanin, on va voir. Je sais même pas ce que c'est un mélodrame. C'est une petite histoire sympathique, une grande histoire d'amour. Et à un moment donné, un drame. J'aurais jamais imaginé la retrouver ici, moi. Fais ce qu'on peut. Hein. Oh, mon facteur, tu m'as sauvé la vie. Ça c'est bien. Bon, c'est pas possible. T'as rien compris. Comment ça, j'ai rien compris? Je t'ai demandé d'écrire un mélo. Qu'est-ce que tu m'as écrit, là? Une merde ou ça claque encore? Ça ne te plaît pas. Non, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu préfères dans le mélodrame, hein? Le drame. Ha ha ha!